fondoir qui est à une température de 90 degrés environ. Je mets un produit gras, de l'huile, de la cire bien évidemment et des pigments. J'attends que tout ça soit bien mélangé et ensuite je commence à couler mes... Donc là c'est un verre qui est en train de couler, donc je fais un premier moule et une fois que ce sera refroidi, j'irai faire tester ma couleur au laboratoire. Donc là vous avez posé mon moule sur la table réfrigérante. Je vais le laisser refroidir pendant 5-10 minutes. Et puis ensuite, donc, je vais enlever la bague qui nous paie. Ensuite, j'enlève le dessus de façon à ce que tous les arrières des pastels soient bien plats. Et donc l'étape suivante, c'est le démoulage. Leur destination ensuite. Et voilà la destination. Alors pour les petits, ils s'en vont auprès de Françoise, qui va les étiqueter par le biais de sa machine. Et les géants ainsi que les grands modèles, eux vont auprès de Myriam qui va les étiqueter à la main par contre.